à cette première séance d'essai libre du Grand Prix du Canada 2015. Mais ça va, Torto? Faut-tu qu'il traverse pendant le lock? Je peux le faire. Torto, c'est Lucien. Je t'écoute. C'est un peu, je t'ai loin. Vas-y, va. Ben là, ça y est. Ah, OK, OK, c'est bon. Non, je vais me poser sur la table. Torto, au lieu d'aller à RDS au 5 à 7, ouais. Il aimerait que tu le fasses d'ici des puits à 5 heures. C'est bon. Drôle. Ça te va-tu? Ben oui, ben oui. Ça va t'éviter de la RDS, puis c'est près de 5 heures, puis après ça, tu vas avoir la paix. Ouais, ouais, ben non, après, tu comprends qu'il faut que j'aille faire l'autre émission. Quelle émission? Ben, celle que t'as fait hier? Mais non, une autre. Ah oui, dans ta chambre, mais ça, c'est oui, OK. Ça, c'est à 8 heures à soir. Au moins, tu auras le temps de manger entre les deux. Ouais, c'est ça, voilà. C'est bon. Le son est bien meilleur que par les années passées. Hein? Bravo, merci. De l'île Notre-Dame à Montréal. Il y a déjà 54 minutes d'écoulées à cette séance de 90 minutes, la toute première du vendredi matin. Bertrand, je te passais le commentaire pendant la pause. J'ai l'impression qu'on est un peu moins brouillon ce matin. On voit moins les voitures débordées à droite et à gauche. On avait Hamilton agressif, là, ouais. Mais je sais pas si on est un peu plus prudent ce matin. Si on connaît mieux le circuit. Ouais. Même si on a quand même pas mal de jeunes pilotes. Oui. Il y a des pilotes. On a les deux Manor, on a les deux Toro Rosso.